Hello les amis, voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode, une nouvelle course dans le mode carrière pilote. On est en Belgique, donc on va faire les essais libres, on va faire les qualifs et on va faire la course. Donc je ne vous promets rien de bon parce que la Belgique c'est un super bon circuit à regarder, mais à conduire c'est hyper compliqué, surtout la première ligne droite. Donc moi j'avais essayé de faire au mieux, mais je pense que dans les autres championnats que j'ai fait, vu que je suis la troisième saison, j'ai jamais fait quelque chose de bien. On verra. Donc voilà, on est parti. Voilà les amis, on se retrouve pour les essais libres. Donc comme je disais, on se retrouve, désolé pour l'interruption, mais quand c'est le mécanicien qui parle, il faut se taire. Donc, toujours avec Aston Martin Racing Red Bull. Donc moi je dirais de partir pour les essais libres, j'espère qu'on va faire quelque chose de bien. Il fait plein soleil, donc je dirais de partir. C'est parti. Voilà. Bon. Waouh. Ça va être une course hyper compliquée ça. Elle est hyper compliquée cette course. Waouh. Wow, 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 ça va part déjà en sucette, les amis. Wouhou. Vous savez, c'est quoi le problème? Que la piste, elle est hyper serrée. Et les tournants, ils sont hyper serrés aussi. Mais la course est rapide à mort. Vous allez voir déjà ici comment ça va partir en sucette. Enfin, c'est pas ici, c'est là-bas. C'est la montée là. Franchement, la montée là, elle est... Il est infect. Elle est infect cette montée. Waouh. Si on gère pas bien, on se tue direct. Mais ça va, là j'ai bien géré quand même. Je sais pas, j'ai l'impression que la voiture elle va pas super vite. Ah, je me suis fait mal au doigt. Là, je devais pas ralentir, je devais aller à fond, mais j'arrive pas. Mais non, j'ai pas coupé la route, hein, t'inquiète. Ça va aller. Bon, les essais libres vont être de la merde, totale. De ce qu'on peut voir, là. Wow! Je fais du freestyle avec la voiture. Merde! Pas péter la voiture en laissez libre, s'il vous plaît. Bordel de neige. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai explosé la voiture. Elle tombe plus, la voiture, elle tombe plus. On va rentrer au stand, les amis. Et on va voir ce qu'on va faire comme réparation. Parce que partir pour les qualifs, aussi défoncés de la voiture, ça ne va pas le faire. Elle est lente la voiture. Oh là là. C'est là les pits. C'est impressionnant quand même, comme ils sont bizarres les entrées des pits ici. Wow! Et quoi, la voiture elle s'éteint? Je rentre au stand en fait. On n'entend plus le moteur. Ah bah ils ont éteint la voiture, ça va. Bon, ils vont faire les réparations. Au moins on aura vu aussi comment ça se passe dans les pits. Stop. Enfin dans les pits, surtout. Donc ils vont faire les réparations de la voiture, sûrement. Temps de réparation, 47 secondes. Aileron avant, dégâts. Ça va. Bon, on va passer parce qu'on va pas rester ici 3 heures. Donc, on va refaire un tour. Parce qu'il faut refaire un tour. Et cette fois, on va essayer de pas se défoncer. Comme on a fait sur le premier tour. Bon. Et c'est reparti pour un tour d'essai libre.
Bien sûr, commence bien. Waouh. Du coup, bon, c'est parti. On est in the Belgium. Et voilà. C'est un super beau circuit, franchement. C'est magnifique ce circuit. Mais il n'est pas facile du tout. Surtout au départ. Wow. Surtout au départ, ici, si on est dans la merde, je ne sais pas comment on va faire. Je veux dire, si on n'est pas très bien placé, le départ ici dans cette course, ça va être la merde totale. On se rapproche de Raikkonen. Wow. Oh, laisse-moi passer, merci. C'est la première fois que je dépasse quelqu'un en essai libre. Wow! On m'a fait se crasher. Ça va, on gère. Franchement, je ne pensais pas gérer aussi bien. Cette course, franchement. Je m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas, franchement. Quel plaisir! Ah! Non, c'est bon. Cette fois, j'ai pété la voiture de nous. Je touche trop l'herbe. Bon, je pense que c'est bon maintenant. Je pense que c'est bon. On aura fait deux tours. On a défoncé la voiture deux fois, mais bon. Est-ce que ça va être la qualif et la course? Waouh! Je n'ose pas imaginer ce que ça peut être. Oui, ben bien sûr, ben oui, moi je suis dernier, comme toujours. 19ème, je suis... Oh, Vettel dernier, comment ça se fait? Il a pas fait de temps. Bizarre. Donc les amis, on se retrouve pour les qualifs. Donc on va partir tout de suite pour ce tour de qualif. Le circuit, il est à 28 degrés. Air du temps, 20 degrés, donc c'est super. Franchement, la piste et le temps, super. Nickel, donc moi je dirais de partir tout de suite et voir où est-ce qu'on va se retrouver dans cette histoire. C'est parti. Ça va. On est toujours en first place. Ici, il faut que je fasse attention. Tourne. Oui, tourne. Super. C'est quoi au rallye? Je suis en train de faire du rallye ou quoi? Hamilton, il est là. Hein. Mmh, comme une colle au basque. Et je suis parti en sucette. Voilà, fini. Bordel de neige, c'est pas possible. Hein. Oui, on est tout prêt. On est tout près de Hamilton. Vas-y. Continue. Bon, il est parti en sucette, Hamilton. Là. Enfin, il est parti loin. Bon, on est quand même bien placé en ce moment, je pense. Je regarderai pas le classement pour pas me faire de film. Mais ça va. Allez. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ouh, comment je suis lent ici, comment ça se fait? Vas-y. On est quantième, on est quantième. Ouh, on est bien placé les amis. Ouh, qu'on est bien placé. Deuxième. Troisième. Ok, ça va. Waouh.
Quel tour d'enfer que j'ai fait! Maintenant que les qualifications Quel sont tour terminées, d'enfer! Waouh! Je suis choqué, Bottas les amis! Et Clark. Je pensais voilà pas faire une qualification si adéquate à la situation. Bon, ah là c'est bon parce que on pourra peut-être faire quelque chose de bien sur cette course. Bon les amis, on se retrouve pour la course en Belgique et vous allez avoir un cadeau. Tada, il pleut. Nous sommes de retour en Belgique. Aïe 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 aïe. Championnat du monde de Formule 1. Il s'agit d'un C'est le temps de Belgique, hein, ça. Un jour il fait soleil, un jour il fait pluie, un jour il neige, c'est ça. Il fait froid, il fait chaud. En 1992, et Charles Leclerc, légère pluie. Ont décroché leur première victoire en Formule 1. Ça va être catastrophique cette histoire. D'une longueur de 7 km. Quoique la Red Bull, elle est elle est pas mal sur pluie, donc on va voir. Peut-être que ça va aller. Mais j'ai quand même Hamilton et Bottas devant. Hein. Mais si la météo ne s'améliore pas, il y a peu de chances d'atteindre un tel chiffre. Ouais, c'est sûr. On va essayer de faire au mieux, les amis. Nicolas Martin est également de la partie, bien entendu. Et si nous parlions un peu de ce que j'appréhende, c'est la première montée là. Aujourd'hui, il faut dire qu'on leur a infligé une pénalité après le remplacement de certains composants. Qui ça? Et du coup, il s'élance en fond de grille. La bonne nouvelle, c'est qu'ils bénéficient de nouveaux composants qui leur permettront peut-être qui, de s'extirper du fond de la grille. Pas moi. Hein. Ils vont sûrement faire preuve d'agressivité aujourd'hui pour compenser leur position de départ. Pas à moi. Quelques minutes du départ de la course, je suis troisième, moi. De la grille. Lewis Hamilton, s'il vous plaît. Mais je cassais pas les bonbons. Valtteri Bottas complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, ça va, je suis, je suis soulagé. Parce que j'ai fait des modifications à la voiture, je pensais que c'était moi qui étais pénalisé. Ocon, Gasly, Nick De Vries et Albon, Magnussen, Vettel, ils ont reçu une pénalité sur la grille. Romain Grosjean. Ok, mais bon, ça parce qu'il a changé Russell, ses problèmes, là, je sais pas quoi. Satifi. Lequel bon. De ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui. Je ne sais pas. Bah, je suis déjà content du fait que j'ai eu la pole, enfin j'ai eu la troisième place en truc là, en qualif. Mais maintenant, est-ce que la course va bien se passer? On verra ça tout de suite. C'est parti les amis. Bon les amis, on se retrouve ici pour la course du plaisir en Belgique. On va essayer de faire un bon placement. Donc je vous dis franchement les autres courses, enfin dans les autres championnats que j'ai fait, c'était pas facile. Je pense pas que j'ai fini une fois la course ici. J'ai toujours pété la voiture ou j'ai toujours arrivé dans les derniers. Mais si je vais essayer de vous apporter quelque chose de bon. Donc voilà. En espérant que tout se passe bien. Hamilton, il arrive comme une grosse fusée derrière, comme d'habitude. Sur toutes les courses, Hamilton, il est pire qu'un vautour sur sa proie, sur sa viande viandeuse. Donc voilà, maintenant j'espère que je puisse faire quelque chose de bon. On va voir. Bon, gagner, je ne sais pas, je ne pense pas, vu ce que je viens de faire là, mais arriver dans les 5 premiers, peut-être, c'est possible. Si j'arrive à gérer l'enroule, et que je me crache pas. Allez. Waouh, j'ai un peu touché le macadam, enfin le gravier. Où je suis en train de faire, je suis en train de risquer. Hein. J'essaie de faire au mieux pour tenir ma place, mais c'est pas facile avec l'autre derrière qui reste derrière comme un vautour. Waouh. Premier tour de fait. Waouh, ils sont tous derrière. Hein. Ça se décolle pas ici les gens. Hein. Il n'y a que Hamilton qui se décolle du troupeau ici. Bon. On va essayer de faire quelque chose de bon ici. Encore une fois. Pas se cracher. Waouh. La voiture, elle patine à mort avec ses roues en plus. Qui sont pas vraiment des roues pour la pluie.
Bon, vu qu'il pleut pas beaucoup, on va pas mettre des roues trop lourdes pour pas perdre de temps. Donc oui, elle patine, mais on peut la tenir sur la route, quoi. Vas-y, tourne. Bien joué. Ça va. Là, elle est partie un peu sucette, la voiture, mais ça va. On se débrouille bien, jusque maintenant. Non ! Hamilton, non ! Hamilton, Bottas, reste derrière. Mais je casse pas les bonbons maintenant. Hein. J'ai réussi à le tenir derrière, pour le moment. Même si je sens que... Waouh, j'ai failli me le prendre. Verstappen, non ! Versti, reste derrière. Reste derrière moi. Mais je casse pas les bonbons, Verstappen. Oh, il fait quoi, lui ? Reste derrière. On s'en fout du DRS. Oui. Ah, dommage. Ça aurait été le bon moment pour dépasser Bottas. Ok. On gère. Ça va. Waouh. On l'a. Non, on l'a plus. On l'a presque. On va l'avoir ou pas ? Oui. Oui. Waouh, je l'ai dépassé de nouveau. Quel stress. De quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ok, c'est pas grave. On se la joue vraiment bien avec la McLaren, là. Non ! Ouh, comme elle part en sucette ici à chaque fois. Je pense que vous sentez mon stress du moment. Non. Oh, comme elle partait en sucette, ta voiture, encore une fois. Mes roues commencent à lâcher. Je le sens. Je ne sais pas si je vais savoir tenir ma deuxième place, pardon. Mes roues patinent trop. Wow. Non. Wow. Wow. Merde. Verstappen, quel minga tu fais? On a failli se flyer tous les deux. Ouais, ça va, t'inquiète. Merde. M'en faut. J'ai explosé mon aileron. Maintenant, je sais pas comment Arthur va répondre. Ça va être la merde. Fuck. Mon aileron, il est mortadelle. La voiture, elle tourne pas comme il faut. Est-ce que je vais y arriver à la fin de cette course? Enfin, j'espère que je vais y arriver. Il faut que je joue avec la voiture, là. Oh, ouais. Elle tourne plus, la voiture. Wow. Allez, hein. Bottas. Merde. Oh là. Elle tombe pas, la voiture. Elle tombe plus. Elle tourne plus, la voiture, bordel. Oh, c'est pas vrai, tout le monde est en train de me dépasser ici. Ah, vas-y, avance. J'ai foutu ma course en l'air, quoi. Je l'ai vraiment foutu en l'air.
purée, mais c'est pas possible, hein. Mais c'est pas vrai. Allez, à l'avant-dernier tour, quoi. Oh, tire-toi, j'en fous. 2 secondes de pénalité. C'est du n'importe quoi. Ben oui, ça. Bon, les amis, désolé. Mais ma voiture, elle tourne plus. Donc, j'ai voulu faire le Fanjo, mais... Désolé. Encore une fois, encore une course de foutu. J'ai carrément pété mon aileron. C'est fini. La voiture, elle va plus tourner, là. Là, je ne sais pas comment je vais faire, mais la voiture, elle va plus tourner. La voiture, elle tourne plus. Je sais même pas si je vais arriver 9e, quoi. Non, fini. Je suis dégoûté. Même Vettel, il va me dépasser. Catastrophique, cette course. Catastrophique. Ok, focus. We need to stay on form. Ça arrive, hein, c'est les enjeux du jeu. Tant pis. On va pas faire le mec dégoûté. Oh. Oh purée. Des étoiles à la fin des temps. Jamais j'aurais pensé finir la course aussi mal. Jamais. Jamais j'aurais pensé finir la course aussi mal. Jamais. Wow, qu'est-ce que ça me dégoûte. Laisse tomber, j'ai même pas envie de voir. Pilote du jour Vettel, bah oui, ça. Pour me faire chier, c'est le premier. Regardons rapidement l'évolution du classement des pilotes. Ce n'est pas le résultat que le leader du classement espérait, mais ça va rendre les choses très intéressantes. Alors, Nicolas Marquardt. Alors, on est toujours 5e. Je dirais que Sébastien Vettel a vraiment attiré mon attention aujourd'hui. On est un pilotage incroyable. Passons à présent au constructeur. Mercedes conforte sa position. Je ne sais pas quoi dire, les amis. Je suis dégoûté. La performance de McLaren aujourd'hui. Je suis dégoûté. J'espère que vous avez quand même bien aimé cet épisode, même si vers la fin, j'ai un peu foiré ma course. Donc voilà, que dire de plus, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez ma vidéo, partagez ma chaîne, enclenchez la cloche pour recevoir ma dernière vidéo, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette course, et désolé pour mes amis belges, j'ai essayé de faire au mieux, j'étais en train de faire un exploit, parce que dans cette course je fais jamais mieux que ce que je viens de faire, mais bon, au début c'était vraiment le top, premier, deuxième, troisième, on a maintenu la quatrième place presque jusqu'à la fin, mais voilà, une petite connerie et tout est parti en sucette, voilà. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao, ciao.